Idée de concert pour cette semaine dans la Manche. Alexis HK se produira au cinéma Le Trianon de Valognes le jeudi 24 février à 20h45. L'occasion de découvrir son nouvel album dont la sortie est prévue en septembre prochain. Et nous avons le plaisir justement d'être en ligne avec Alexis HK qui nous accorde donc quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Solo Playground, c'est le nom de cette tournée que vous avez entamée sur les routes de France. Finalement, c'est une tournée pour représenter au public votre prochain album, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui, c'est une sorte d'avant première. C'est les nouvelles chansons qui ont été travaillées de manière un peu intimiste avec mon camarade Sébastien Collinet. Donc nous sommes deux sur scène et j'avais envie, mais je fais ça à chaque projet, de faire vivre un peu les chansons avant que l'album sorte. Aussi parce que j'aime bien proposer au public qui me suit depuis longtemps de découvrir les choses un peu en avant-première. Ouais. Puis parce que j'aime bien faire vivre les morceaux avant qu'ils soient dans un circuit d'album, tout ça. Ça permet de tester un petit peu, de recueillir des réactions et puis de se livrer et de se dévoiler un petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est moins banal dans ce sens-là. En général, on fait des tournées après la sortie d'un album. Est-ce que c'est aussi le fait de vouloir retrouver le public plus rapidement après avoir traversé une crise sanitaire assez marquante? Oui, il y a de ça aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi l'idée de prendre plaisir à retrouver le public, ça c'est sûr. Et puis de montrer que finalement, des chansons, il faut que ce soit naturel, faut les livrer naturellement et pas tout le temps être dans une logique d'album ou de carrière, mais aussi simplement être un troubadour qui chante ses chansons. J'aime bien cette idée. Il y a tout ça, oui, effectivement. La période aussi fait qu'on est content de retrouver les planches et de retrouver le public, ça c'est sûr. Et cette tournée, donc Solo Playground, vous l'avez démarré. Donc là, on a fait 7 ou 8 dates. Le but, c'est pas non plus d'en faire 200 avant la sortie de l'album. Prochain album qui succédera à Comme un ours, qui était sorti en 2018. Un album qui s'annonce différent. Oui, qui s'annonce plus ludique, plus léger, dans lequel j'ai eu envie de m'amuser. J'ai eu envie de, avec ma petite expérience maintenant, d'une vingaine d'années de tournée, de me dire, là, si tu dois refaire un album, essaye de faire quelque chose dans lequel vraiment tu montres au public, t'apportes au public un peu plus de légèreté, de l'autodérision, pas mal d'humour. Voilà, quelque chose de moins grave que l'album précédent. Et qui a été composé durant la période de confinement ? Oui, en partie, mais pas seulement. Moi, j'écris des chansons au fil du temps, et puis au bout d'un moment, quand j'en ai suffisamment, je me dis, est-ce qu'on peut faire un album, ou est-ce qu'on peut monter un projet? Et donc, au fil des tournées, j'écris toujours des choses, et donc, le confinement, c'est vrai que ça a concentré un peu du temps dédié pour ça, mais pas que. Pas que, il y a des morceaux qui datent d'avant le confinement aussi. Cet album, il est en boîte, comme on dit, il est prêt à sortir ? Il y a encore quelques petits ajustements à faire, parce qu'avec avec Sébastien Collinet, qui sera sur scène avec moi, c'est lui qui réalise l'album avec moi aussi, et on a décidé vraiment de se donner le temps dans les arrangements et dans l'amusement d'aller le plus loin possible, donc on a encore 2-3 trucs à voir, mais on a bien avancé quand même. Donc vous continuez votre tournée jusqu'à la sortie de l'album ? Oui, mais par contre, ce sera une tournée plus conséquente avec plus de musiciens sur scène et j'imagine aussi des salles un petit peu plus grandes. Le but, c'est de monter tranquillement en puissance avec cet album qui a déjà de bons retours parmi les pros qui ont entendu les chansons et qui sont plutôt enthousiastes. Donc il y a pas mal de signaux encourageants et on va bosser quoi. Donc Alexis HK en concert au Trianon de Valognes, ce sera le jeudi 24 février à 20h45 dans le cadre de sa tournée Solo Playground. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Au revoir. Merci à vous, au revoir.